suis retrouvé il y a 3 ans à vendre de l'électricité et du gaz. Ça m'a plu et c'est pour ça que depuis maintenant quasiment 1 an, je suis devenu chef d'équipe au sein de l'entreprise. On va essayer de faire tous les quartiers qui sont en haut. Notre équipe, ça se passe très bien. Voilà. On est entre nous tous les jours. On part ensemble le matin, chacun a son petit quartier. Et puis on fait de la prospection commerciale. Bonjour madame, je ne vous dérange pas. Chaque client est différent. Ce que j'aime beaucoup, et c'est pour ça que je passe beaucoup de temps avec les gens, c'est que je leur explique comment tout fonctionne. Et à la suite, pourquoi pas, si pour eux ça devient plus intéressant, de passer chez un autre fournisseur pour faire des économies. Alex, je viens de prendre la rue qui est en bas là. Je donne rendez-vous à 14h. L'entreprise met en place des formations, notamment pour les personnes qui commencent. Puis ensuite, moi, je les accompagne sur le terrain pour les faire avancer. Ça marche les gars? Un avantage, moi, que j'aime bien, c'est d'être libre et d'être autonome. On a une rémunération assez attractive. On est tout de suite salarié de l'entreprise. On a quand même en place un CDI qui est confort. J'ai aussi un véhicule de fonction, c'est pas négligeable. Alors aujourd'hui, on va aller à l'est de l'Orient, les gars. Je pense qu'il faut de la sympathie, aimer le challenge et bien aimer le contact avec la clientèle. Voilà, une fois qu'on a compris tout ça, je pense qu'on est fait pour être commercial. J'invite toutes les personnes à essayer ce job. C'est vraiment super sympa. Ça fait 3 ans que je le fais, donc c'est que j'apprécie le faire.